Salut à tous, c'est Lune et bienvenue dans une vidéo à thème. Aujourd'hui les gars, il va y avoir du dossier sur la team, effectivement. Cela picore du pain dur. Donc les gars, déjà easy boy, déjà pour commencer. Parce que les gars, aujourd'hui, il va y avoir du dé. Donc j'avais demandé au Wabouin, donc dans l'onglet communauté de YouTube et sur Twitter, de me proposer est-ce qu'on a déjà fait ou pas, ou est-ce qu'on n'a pas fait, etc. Et du coup, vous avez été nombreux à participer. Et les gars, donc aujourd'hui on va choisir ce qu'ils ont proposé les gars, c'est vrai. On va choisir, Vas-y. on va voir s'il y a des bons trucs. Bon déjà j'en ai repéré pas mal, déjà j'en ai repéré pas mal. Qui veut commencer? Bah écoute, je te propose de commencer toi. La salle? Non. Bah écoute, je te propose de commencer moi. De commencer toi, vas-y, allez. Ok. Alors, on a déjà mangé un ornithorynque endimanché. Non, j'en ai jamais mangé. Alors, J'aimerais bien. non plus, tu sais. Alors moi, c'était une seule fois, mais c'était dans un rêve. D'accord. Ah ouais, pas mal. T'as des rêves bizarres, hein. Mais bon, C'est vrai que pour rêver d'un chacun sa vie. ornithorynque, je sais pas quoi. Chacun sa vie, chacun son chemin. C'est bizarre. Ok, Parce et bah que... écoutez, c'est à mon tour. Alors, est-ce qu'on a déjà kiffé sur l'ex d'un membre de la team? Moi non, Et parce que non. Donc moi j'ai pourquoi? jamais kiffé sur une de vos ex. Bah parce que t'es pas pédo machin qu'on veut dire. Voilà, je suis ni pédo ni tout ça. D'autant plus que vous avez tendance à sortir avec des filles qui sortent à peine de la crèche. Hey, c'est le clash de Boubou ça. Je sais, c'était un petit clin d'œil. Voilà. Alors, Ah, Eden? okay. Ah, depuis tout à l'heure, je parle, les gars, vous m'entendez pas. Ah, je crois qu'il kiffait sur une de tes ex la salle d'où qu'il est parti. Je suis parti voir vite fait ce que ça Alors, donnait. moi, Bah, c'est vrai que j'ai déjà c'est pas kiffé mal, on peut emmener lui. sur une ex de la salle. Alors, pas Eden, parce que Eden, bah, il m'a jamais Ah! montré ses ex. Mais c'est vrai que la salle, ouais, j'ai déjà kiffé, pas qu'une, hein. Parce qu'on va dire que Bah si elle... La salle, il sort avec. On peut le dire, t'es sorti avec. Voilà, il est sorti avec une des miss. Voilà, je vais pas dire laquelle, mais. Et voilà quoi, je veux dire. Voilà quoi. C'est une miss quoi. C'est des belles femmes. C'est des belles femmes. Il est tout excité, écoute-le. Il est là, Non, mais lui, c'est hein. vrai que c'est pas mal. Bon, après, voilà. Pourquoi Oui, j'ai déjà kiffé sur une ex de la salle. Voilà. Yeah. Ok. Elle est blonde. Alors, moi j'en ai une, et tu me dis si tu valides. Vas-y, je te lis ça tout de suite. Est-ce que Alors, je réponds oui. est-ce que Vas-y. vous avez... C'est quoi? Faut dire quoi en fait? Faut dire est-ce qu'on a ou est-ce que... Voilà, ce Parce qu'on que a moi je comprends. déjà. Hop, hop, Ok, hop, c'est bon, vas-y, ça tu. passe. Est-ce qu'on a déjà pris le bus sans payer? Ah bah ça mon pote, waouh. Alors bah si je passe le salut à la RATP. Salut RATP. Je n'ai jamais payé un seul ticket de ma poche. Donc effectivement, j'ai toujours pris le bus comme s'il était gratuit, mais je savais pas. Je savais pas. D'ailleurs, la première fois que j'avais vraiment fraudé Cette un vidéo bus, va nous amener des c'était problèmes. avec Eden, c'était à Paris. Et c'est lui Alors qui m'a cette dit vidéo, elle non, va mais il n'y nous a pas besoin de amener. ticket, il m'avait dit. Et je me rappelle. Et toi, la salle? Nous, alors, enfin moi et donc et mes potes, oui, donc on prenait le bus gratuitement, bien évidemment, mais en fait on s'arrangeait pour avoir des fausses cartes de bus qu'on donnait. Le mec il savait pas ce que c'était, on lui disait mais c'est ma carte de bus, il comprenait pas, on lui disait que c'était les anciennes, etc. Enfin bref, et comme le gars il savait hein, enfin, il savait d'où on venait. Il cherchait pas trop à comprendre parce qu'il savait qu'on était des menteurs. Donc il cherchait pas trop et il nous disait ok. Et voilà, il nous laissait tranquille. D'ailleurs, je crois qu'il travaille toujours dans le même domaine, hein, le gars. Et Ah, me dis pas que c'est lui, je il est pense. grand comme ça, il a les cheveux un peu longs, pas trop Ah longs, mais non, un non, bah petit non, bah peu non, c'est pas lui. noirs. Et Eh ben écoute, la salle, on a une surprise.
On va l'inviter sur Skype, il est là parmi nous. Mais par contre, genre, il nous laissait pas tranquille parce qu'il avait pas le choix et qu'il avait peur, hein, pas du tout. Il nous laissait tranquille parce qu'il était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool comme gars, il s'en foutait. Ah ouais, bah ça veut dire que genre, au gros, le gars, il s'en fout, quoi, monter dans le bus et laissez-moi faire mon travail. Mais oui, en gros, le mec, c'est... la vie ouais, est belle. Ouais, il était pas payé à la prime comme aujourd'hui les contrôleurs. Voilà, c'était la vie est belle, vive la vie. De toute façon, quand je me barre de là, je vais rejoindre ma meuf. J'en ai rien à foutre de ce que vous faites. Enfin voilà, c'était le genre de mec là, quoi. Ouais, alors qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont en civil là, ça ils se prennent pour les agents de la BAC. Ouais, c'est vrai que wow, quand je vois les contrôleurs de Nancy, j'ai l'impression le gars c'est je sais pas qui. C'est waouh. Bah. En fait, c'est dans les moments-là que tu sens la différence entre ceux qui ont la belle vie et ceux qui ont des problèmes, quoi. Hein. Ceux qui ont des problèmes, ils ont tendance à être agressifs, etc. Alors que ceux qui ont la belle vie en dehors de leur travail, ils ont tendance à être cool, la vie est belle, ouais. C'est génial. C'est dommage parce que ce genre de choses, ça devrait être quand même gratuit, quoi. Mais bon, après, voilà, on va pas non plus rentrer en politique ou je sais pas quoi, on s'en fout. Alors, est-ce qu'on a déjà, les gars... Si. Toi, tu devrais entrer en politique, ça devrait être beau. Hein. Ah ouais, et wow. Dans la politique, waouh. Yeah, vaut mieux pas, les gars, vous savez. Hein, c'est... vaut mieux pas. Tu serais hors sujet tout le temps. Suivante, question suivante. En pot de Nutella, peut-être, mais en politique. Hein est-ce qu'on a déjà... Est-ce qu'on s'est déjà embrouillé entre nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est déjà battu? Je vais y répondre. Est-ce que je peux répondre, moi? Moi, je peux répondre aussi, les gars. On peut moi, tous répondre. Déjà, je tiens à dire, voilà, ça reste entre ceux qui regardent la vidéo et nous. Je me suis déjà battu avec la salle, et puis bon, voilà, vous savez, je l'ai maîtrisé au sol. Après, bon, malheureusement, il m'a dit arrête une mine, et j'ai dû arrêter parce que il me faisait un peu de la peine. Du coup, voilà. Quoi. C'est pas vrai. Ouais, c'est impossible. Tu te rappelles? Est-ce que tu te souviens le jour? Alors je vais raconter une petite histoire en même temps. Alors on avait fait on s'amusait avec la salle, et la salle en fait il s'amusait à nous donner de l'argent en fait, tu vois, pour qu'on achète des petits bonbons, des trucs comme ça quoi. Et il nous avait dit vous vous mettez à 6 sur moi, on était combien, je sais plus, 6 ou 5, je sais plus, sur moi, et si vous me faites tomber, bah je vous donne tel argent chacun, je sais plus c'était combien exactement. Et je me rappelle, il y en avait. Alors je me rappelle, je sais que tu te souviens. C'était en haut même. Et alors il y avait moi, il y avait tiens, dédicace à lui, il y avait Naïm aussi. Et il te tenait la jambe, moi je te tenais une des jambes. Et il y en a trois qui essaient de te pousser. Ah si, c'est bon, je me rappelle, on était 6, c'est bon, on était 6. Il y avait Boubou, le frère de Boubou aussi. Et les deux caca. Et on essayait de te pousser. Et on n'a pas réussi à te faire tomber, malheureusement. Malheureusement. Voilà, donc on était 6 sur lui, impossible, on lui tenait les jambes, il y en a deux qui le poussaient, d'autres qui l'étranglaient par derrière, enfin impossible quoi. Ah mais en même temps, judoka contre Gremlins, voilà quoi. Donc voilà. Et tu voulais dire? Ok. Bah écoute, moi sinon je peux dire. Enfin vas-y la salle. Oui, donc on c'était quoi? Est-ce qu'on s'est déjà battu, c'est ça? Ouais. Non? Ouais, bon, déjà on n'est pas des animaux. Donc on va pas s'amuser à se battre entre nous, déjà pour commencer. Allez les gars, demain soir, rendez-vous 20h sous le panier de basket. On dirait vraiment des... Non mais voilà, on va pas se battre. Et puis même, de toute façon, on est contre la violence, même si c'est pas entre nous. Il n'y a pas de genre... on en a déjà beaucoup parlé avec Anuin. Par exemple, Anuin, il me dit... Il m'a déjà dit souvent, ah si j'avais tes bras, ah si j'avais ceci, cela, il y a plein de gars que j'aurais éclaté. Et j'ai toujours dit à Anuin, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La violence ne résout à rien, les amis, on le sait, on l'a dit, la salle. Ah, mais des fois, t'en as voilà. Ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que tu peux taper quelqu'un que tu vas le taper. Ça marche pas comme ça, c'est mauvais, c'est pas bien. Et puis la roue tourne, enfin, même ça se fait pas. On est contre la violence et donc bah forcément entre nous encore moins quoi. Justement enfin, moi justement par rapport à ça, je pense que le meilleur moyen
toute façon, même se taper, etc., ça sert strictement à rien, parce que comme il a dit la salle, mais le mieux et le plus simple, c'est de parler, parce que la parole, ça amène à quelque chose. On peut se comprendre, voilà. Donc non, on s'est jamais frappé dessus. Non, jamais. Et si ça arrive, bah, j'en ferai une vidéo. Même rarement battu. Hein. Ou je tape une mine comme ça. Moi, les seules fois où je me suis battu, c'est pour me défendre. Moi, aller frapper quelqu'un comme ça, d'un coup, tout seul, parce que j'ai envie... Non, voilà, bah, j'ai envie de pas. Me défouler, bah pour non. Se défendre, oui. Non. Pour me défouler, j'aime bien rigoler, voilà. Faire des blagues, des trucs comme ça. Mais pas aller se battre gratuitement. Par contre, oui, me défendre, oui, ça, oui. mais avec Anu Naiden, je vais pas me défendre en les tapant. C'est... Ouais. Déjà, juste verbalement, on a mal, sans faire le suceur, hein, mais juste verbalement, il me met mal. Alors, je peux vous dire que... En face, voilà quoi. Vaut mieux pas. Parce bah que écoute, sinon... Ose pas dire quand tu veux. Non mais c'est vrai, parce qu'il faut le dire. Pourquoi juste avec la parole ça fait mal? C'est parce que nous trois, on est attachés les uns aux autres. Bon, je vais pas dire sentimentalement, même si voilà, bah, on s'aime quand même entre nous. Moi, je commence à avoir des sentiments. Comme j'ai dit dans ma musique. Hein. Toi et moi, on s'aime entre nous, mais on est quand même attachés comme une famille, donc du coup forcément les paroles ça fait mal quand c'est mal dit, quand ça a pour but de blesser ou de remettre en place. Les gars, parce que Dan, hein, il va pleurer. Mais moi les gars, je vous attends, quand je vous ai dit 20h sous le panier de basket. Allez Dan, vas-y, à te proposer un à toi. Ouais, parce que sinon nous on fait une vidéo que sur ça, on est là, donc tu nous dis... Ah oui, nous on continue. Vous alors, rappelez est-ce fois que... où je vous ai remis en place, parce que on continue ou pas? Ah non, bah, non, du coup on passe à l'autre. Est-ce qu'on a déjà... Il veut pas. Tu ferais une vidéo spéciale pas. Sur ta chaîne, la salle. Alors, est-ce que les gars, on a déjà mangé une tacos pendant une semaine? Non. Ça nous est déjà arrivé quand même à la salle. Hein. Non. Moi non, pas, moi aussi. 4 jours, je pense, hein. Non, d'affilée, deux, non. Si. Deux fois wow match d'affilée. Le jour où on avait découvert, je me rappelle, le jour où on a découvert tacos, on avait mangé pendant 4 jours ou 3 jours. Hein. Non. Le max, moi je me rappelle, c'était bah, deux fois. Pas midi et soir, mais genre juste le soir, quoi. Je me rappelle. Non, même on était. Même. Non, je crois qu'au bout du deuxième, on avait dit on est dégoûté, ou je sais plus, il y a eu un truc bizarre. Non, c'est. Je me rappelle d'une phrase comme ça, comme quoi parler. On était gavés. Je me rappelle, on était gavés. Ouais, donc Eden, toi, est-ce que t'as déjà? Bah non, justement, moi je t'ai dit c'est max 2, c'est impossible, 3. Non, faut pas abuser non plus. Hein, oh. Il me semble pas, je sais pas, après je peux pas... Okay. On va remonter le ticket de caisse, tous les tickets de caisse qu'on trouve. À toi du coup la salle de proposer. Alors, à moi de proposer. Est-ce que on a déjà fait du babouinage? Ça m'est arrivé. Est-ce qu'on a déjà fait du babouinage? Bah tous les jours. Bah ouais, moi ça nous est arrivé. Moi tous les jours, perso. Et toi, Eden? Eden, c'est un panda, donc c'est vrai que c'est pas souvent. Non, mais ouais, panda, mais peut-être panda, mais aussi babouin dans l'âme. Voilà, donc c'était de temps en temps, Eden. Alors, est-ce qu'on a déjà menti à un de nos parents? Ah, ça, je pense que comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. C'est du style, ouais. Déjà menti pour l'école, menti pour cacher les choses. Je me sens pas bien. Ouais. Pour des conneries d'école, des trucs comme ça, oui, bah oui. Normal. Alors, mais je viens de te. Hey, tu m'entends pas? Tu mets ton micro plus fort, attends. Ouais. Tu vas pas assumer. Non, c'est bon. Alors, attends. Ah. Attends, on apporte quand même une précision, parce que le tout, c'est pas de dire oui, j'ai déjà menti. Donc, oui, on a déjà menti, donc principalement bah, pour des conneries, quoi. Enfin, des conneries, des petites conneries, des trucs de rien du tout. Et c'est vrai que, en y repensant, ça sert à rien. Bah, c'est... moi, franchement, ouais, ça sert à rien. Parce qu'en réalité, ce qu'on sait pas quand on est gosse, c'est qu'en fait, nos parents, ils sont là pour nous éduquer, pour nous aider. Et nous, on a l'impression qu'ils sont contre nous et qu'il faut leur mentir, ouais, après, parce que sinon, ils vont nous taper. Songe intelligent, enfin, c'est-à-dire genre... par exemple, je sais pas comment dire. Oui, mais regarde là, par exemple, quand t'as un gosse qui fait un truc et qui te ment.
Enfin, s'il te dit la vérité, tu vas rien lui faire, tu vas juste l'aider. Tu vas juste lui dire, ouais, c'est pas bien parce que, je sais pas, il peut t'arriver ça ou il peut y avoir ça. Tu le mets en garde, en fait, c'est tout. Ouais. Tu as... Bah Après, je ouais. sais pas, peut-être que t'as déjà peut-être menti pour cacher un truc ou pour je sais pas. Bah oui, mais ça servait à rien. En fait, la finalité, c'est la même, ça revient. La seule chose que j'ai eue en mentant, c'est que j'ai pas eu leur conseil à certains moments. Alors que si j'avais pas menti, j'aurais pu avoir leur conseil. Je vois ce que tu veux dire, Mais il faut effectivement. se dire que tes parents, ils sont là pour t'aider. Ils Bah, sont nos parents, de toute pas là façon, pour ils sont t'enfoncer. là pour notre bien et pour nous aider, donc forcément. Donc les conseils, c'est toujours bon à prendre. Après, je sais pas, c'est peut-être la peur. T'es des petits, donc Oui, t'avais pas la même bah justement, mentalité. c'est ça. Quand t'es gosse, tu crois qu'ils sont là pour autre chose. Tu crois qu'ils sont là pour t'emmerder, en fait. Genre pour te faire chier, parce que... Alors que pas du tout. En réalité, ils sont là pour t'aider. Mais ça, on le sait que plus tard, quoi. Que quand on grandit, on s'est dit, ah oui, en fait, tout ce qu'ils ont fait par rapport à moi, c'était pour m'aider, c'était pas pour m'enfoncer. Bon, après, C'est sauf si ça. vous avez des... C'est pour ça qu'il faut respecter ses parents. Ouais, voilà. Sauf si après, bon, il y a des Bah, il y en a, cas ouais. exceptionnels, mais Il y en a on va dire justement. dans la majorité des cas, les parents sont là pour aider. Et c'est une C'est grave ça. erreur que de leur mentir. Parce Bah, qu'il y a surtout des qu'en plus, eux, ils sont sincères, quoi. Ils sont là. conseils qui peuvent vous sauver à certains moments. Voilà. Donc C'est voilà, ça. c'était le moment, la salle. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a déjà recommencé une vidéo à cause de Nguyen? Oh oui. Oh oui, et pas que. Oh oui. Alors déjà, pas qu'une. Enfin, pas qu'une, pardon, La dernière en date, c'était la purge. ouais. Ah ouais. Ouais, la On purge peut qui a eu mimer, hein. On même peut pas une mimer, hein. semaine, là. On peut mimer, hein. Ça, clairement, on peut mimer. Alors, donc, Anune, ce qu'on va faire pour l'intro, parce que nous, on écrit vite fait, enfin, entre guillemets, le début pour faire l'intro, on donne quand même un rôle à Anune pour que ça soit bien, parce que c'est. Voilà. Et après, nous, on Ah improvise non, mais à la la salle. salle! C'est pas ça la Et. dernière en date? C'est Attends, donne, je laquelle? te coupe, c'est pas ça. C'est la vidéo qui va sortir. Je sais pas si elle sort aujourd'hui ou pas, ou demain. C'est la vidéo d'elle, avec le PC. On a recommencé à cause de toi? Mais oui, on a recommencé plein de fois, même j'arrivais pas à. Je sais plus. T'arrivais pas à faire quoi? Il arrive à rien faire, donc bon. Mais Franchement. Donc bon, t'arrivais pas à bref. faire quoi? Ouais, enfin, faut voir. J'arrivais pas à truc là, le tracteur. Ah oui, mais ça, c'est pas recommencer toute la vidéo. Non, là, je pense que le commentaire, il parlait de tout, Ah oui, toute recommencer la tout vidéo. Bah oui, tout à bah oui. zéro. Bah non. Bah après là, c'était juste vrai que c'était une intro, on va dire. En fait, j'arrivais pas à démarrer avec le tracteur. En fait, c'était compliqué. Bah vous allez voir dans la vidéo de toute façon. Voilà, je spoil pas. Mais recommencer tout, oui, la dernière en date, c'était la C'était la purge. purge, effectivement. Et oui, Eden, vas-y, tu C'est vrai. disais. Donc Effectivement, ouais, ouais. au niveau de la purge, en fait, c'est simple. Anduin, on lui donne un texte de base parce qu'on sait que c'est un peu compliqué pour lui, etc., de jouer les rôles. Par contre, du coup, pour moi et la salle, c'est improvisé. Donc du coup, on arrive, on lui explique que nous, on va venir. Et du coup, on peut pas... En plus, on a attendu le soir, c'est ça le truc. C'est qu'on a attendu un peu le soleil et tout pour revenir. Et du coup, le soleil, s'il part, il faut relancer l'activité, etc. Donc on arrive, on fait la vidéo, et on dit à Enune, on lui dit oui, donc on va venir et machin. Et puis il a rien compris, le type, on lui dit ouais, faut que tout le monde soit dehors. Et il y avait tout le monde qui était caché. Et on lui dit, mais c'est... Exactement là, il a dit putain, mais t'es con. Et après, on a recommencé. Après, on est venu, Et on a et là, Enune, re-recommencé. un truc bizarre, il nous fait un truc chelou. Non, mais On bah, a dû alors, recommencer, enfin. il devait attendre. Dans la deuxième fois, il devait attendre à l'intérieur. Parce que forcément, la purge, les mecs, ils sont chez eux à l'intérieur et ils ont des systèmes de sécurité. Et donc, il devait attendre à l'intérieur du bâtiment et dire, ouais, de toute façon, je vous laisserai pas rentrer, j'ai un système de sécurité en béton. On arrive avec Eden, il est à l'extérieur du bâtiment, il nous regarde et dit, ouais, vous voulez quoi? Et Non, la salle, mais il enfin était voilà. KO, il a dit, mais t'es vraiment con, toi, comme type. Ouais, voilà, donc on a Donc, recommencé. et bah Et écoutez, on c'est en propose souvent un comme ça. chacun, un dernier chacun, puis après on quittera cette vidéo. Si vous voulez un épisode 2, bah vous proposez aussi dans les commentaires pour le prochain épisode. Et alors, du coup, vas-y, Eden, vas-y, propose-en.
Ok, j'en ai un. Alors, est-ce que on a déjà passé une soirée spéciale vidéo Team La Salle? En gros, on a fait que faire des vidéos, quoi. Bon, bah oui. On fait ça tous les jours. Ouais, non, Ah, mais mais je veux une dire soirée vraiment. vraiment spéciale, bah oui, par exemple, quand on part en Où voyage, vraiment bah. on rush, quoi. Tu vois pas. Là, parce que là, oui, effectivement, on tourne, il est très tard, mais je veux dire, genre d'affilée. Par exemple, t'as fait genre 5 vidéos, moi j'en ai fait 3, Nid Oui, en bah fait oui, ça, oui, 6, ça nous quoi. est déjà arrivé, oui. Bah quand on part en Ouais. Ouais, vacances, forcément. par Faut exemple quand on est parti en s'avancer. vacances à Majorque, quand on est parti en Turquie, quand Léon est parti à Los Angeles, quand je suis parti à la Paris Games. Bah, voilà, c'est quand on part, on essaye de. On se fait des petites soirées, quoi. Exactement. Voilà. C'était tout. Bah toi la Bah salle. moi j'ai l'impression que c'est soirée tous les jours, mais bon, Enfin, j'ai pourquoi l'impression que c'est pas. vrai que c'est. Parce que nous, c'est vrai qu'on est autant tout le temps, mais. Après, c'est des fois Oui, ça peut être matinée effectivement. aussi. Ouais, Ça, en fait, c'est ça vrai. dépend. Ouais, c'est tout le temps en fait. C'est tout le temps. En vérité, c'est tout le temps parce qu'il n'y a pas vraiment d'heure où on se dit, bon, les gars, go telle date est là, je pense qu'on devra faire et tout. Enfin, bref. Ouais. Non, c'est tout le temps. Alors la salle, Voilà. vas-y, et moi j'en aurai une petite dernière pour bien clôturer parce qu'elle est pas mal. Alors, est-ce que. Ça veut rien dire, mais pourquoi pas? Vas-y. C'est Il y en a quoi? tellement des très 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 bizarres, hein. Très 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 bizarre, très 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 bizarre. Bah après, moi, tu Est-ce vois, qu'on vas-y. a déjà dit je t'aime maman? Bah oui. Oui, j'ai encore dit tout à l'heure. Ok, bon. J'en suis un Ah peu ouais, con, mais. le gars il est cash quoi, j'ai encore dit tout à l'heure. Bah, faut pas oublier, surtout qu'en plus Bah je suis oui, très bah très là, ouais, bah loin, oui, moi donc. j'ai déjà dit. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a déjà dit je t'aime la salle? Oui, aussi. Et toi la salle, est-ce Voilà, que tu l'as déjà dit? je te le dis, la salle, je t'aime. Ouais. Est-ce qu'on a déjà insulté un membre de la team? Oh oui. Oh. Le N1 quand on doit recommencer, ouais. Quand on doit recommencer, ouais. Mais Bah c'est moi, pas comment. méchant. C'est pas du style ouais, N1, blabla. Enfin, c'est pas méchant. Bah oui, c'est C'est juste genre parce pour qu'on. rigoler, enfin, C'est pour pas gentil, pour quoi. rigoler, mais gentil mais méchant à la fois, tu vois. Ouais, enfin. Bah comme N1 a dit, hein, par exemple, tout à l'heure, quand je disais t'es vraiment trop con, ouais, ça fait partie des insultes, voilà. Puis il y en a d'autres. Hein. Ce matin, c'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure, je pense que ça va être ça. C'est vrai que Bah c'était tout après, à l'heure c'est avec pour. avec justement encore la vidéo qui sort bientôt Bah sur la après, chaîne de c'est la pour. salle. C'est pour rigoler, mais j'ai Bah sorti. non mais la salle m'a acheté un nouveau véhicule, voilà, il a acheté une Mercedes Ayden, mais moi sachez qu'il m'a acheté une belle voiture. Oula, c'est pas le moment. Attends, je regarde comment je t'ai insulté tout à l'heure, voir si on peut le dire ou pas. C'est je sais pas. Alors, bah on le dit ou pas? Mais oui, allez, on se Allez, bah c'est comme concentre. tu veux, hein. C'est bon, au bout d'un moment. Alors j'ai dit, pas comme la dernière fois, effectivement, sinon je te mets le PC dans le cul et je t'envoie en orbite avec le même coup de savate que j'ai mis dans le ballon, petit trou du cul. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Nune tout Je à mettais l'heure. KO, hein. J'ai répondu, je crois, je sais plus, j'ai répondu comme PTDR, KO, non, t'inquiète. Je crois un truc comme ça. Ah Mais bah bon, c'est c'est. normal. Là, mais c'est pour rire. Enfin, pour rigoler, c'est entre nous, mais. Eh bien, Mais oui, ça nous arrive des trucs comme ça. pour bien clôturer la salle, est-ce qu'on a déjà essayé de sécher les cours, mais ça a mal tourné? Non. Mal Moi, tourné. non. Ouais, genre tu t'es fait caler ou il s'est passé un truc avec la prof, tu t'es fait caler par le prof, je sais pas. Ou j'ai alors j'ai Eden, déjà non, apparemment, donc Non, moi. moi non. Moi, oui. Et toi, Eden? Bah, je raconterai, mais la salle, oui ou non? J'ai déjà séché, je me suis fait caler, bah ouais. Et c'était ça a Bah mal ça a tourné ou mal pas? tourné. Je me suis fait un peu frapper. Ouais, si. Bah Ouais, écoute, ça a c'est mal pareil. tourné. Moi j'ai. Bon, après c'était la période. Bah, c'était il y a pas longtemps en fait, hein. C'était il y a 2 ans. Enfin, c'était quand j'étais à la fac. Et j'en avais marre en fait. J'en avais marre. Et
Et du coup, moi, ce que je faisais, en fait, ma mère, elle travaillait le matin. Elle travaillait le matin, tu vois, elle travaillait juste à côté de la gare. Et un matin, donc je décide de sécher, tu vois, je fais signe d'aller à la gare et tout. Et je fais demi-tour et je la croise sur le chemin du retour et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et du coup, bah, elle savait que j'avais séché les cours, quoi. Et du coup, bon, bah, ça tourne mal en spinner, quoi, j'ai envie de dire. Ça a mal tourné, tourne comme ça. Vous connaissez la suite, quoi. Je me suis fait taisonner, quoi. En tout cas, voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était. On a déjà fait. Du coup, si vous avez un épisode de vous, vous propose dans les commentaires d'autres pour le prochain épisode. Et au Unibye!